j'ai les cheveux bleus. Comment ça va? J'essaye des nouveaux tips, j'essaye de filmer dans différents endroits de mon appart. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez que je sois assise, si vous préférez que je sois debout, si c'est mieux que je sois debout pour expliquer les trucs. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu si tu aimes la vidéo. N'oublie pas de la partager également. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir durant ce mois. De toute façon, c'est une vidéo par mois parce que j'ai des cours à côté. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler du Pérou. Pourquoi est-ce que tu devrais visiter le Pérou? Premièrement, je dirais qu'il faut visiter le Pérou pour sa nourriture. Ce que les étrangers ils aiment beaucoup, par exemple, ça s'appelle le Pollo Saltado. Il y a un charme de pollo, c'est des beignets de poulet. Tequeños de queso aussi, c'est des petits beignets avec du fromage fondu dedans, c'est trop trop bon avec le guacamole. J'adore ça. Il y a la huancaina. Ils ont aussi des boissons qu'il faut absolument que vous essayiez. Il y a de la limonade. Tu vas me dire, hey, c'est du citron et de l'eau, je peux très bien le faire, ok? Ouais, mais leur limonade, alors, c'est super bon. Il y a de la chicha morada. En fait, si tu veux, c'est un jus à base de maïs violet, qui est en fait du maïs sucré. Il y a aussi leur boisson gazeuse qui s'appelle l'Inca Cola. Et ça a un goût un peu bubblegum. Et dans les alcools, le plus réputé de tout ça, c'est le pisco. Le pisco est fait à base de vigne et le pisco sour, ils mettent du blanc d'œuf et du sucre par-dessus. Ils sont pas là, enfin quand on boit. On peut boire le pisco normal, sans que ce soit sour. Il faut visiter le Pérou pour sa culture. Tu dois avoir entendu parler des Incas. Donc pour la culture Inca, qui est très très forte ici, se ressent dans les plats, qui se ressent dans les habits, dans la façon de vivre. Par exemple, le village de Cusco, il y a beaucoup de gens qui vivent encore de façon traditionnelle, qui ont des alpacas. Parce qu'à Lima, il n'y a pas d'alpacas, hein. Il fait trop chaud. Bon, pour l'instant, il fait froid, c'est pour ça que j'ai un sweat. Mais à Lima, il n'y a pas d'alpacas. Enfin, il y en a à certains endroits pour attirer les touristes. Les gens, ils s'habillent comme moi, voilà. Bah, après, il y a toujours des gens qui payent d'attirer les touristes. Oh, regardez, j'ai un petit alpaca avec moi, vous voulez pas faire une photo? Tu aimes la culture, si tu aimes la musique, parce qu'ils ont une très très bonne musique aussi. Je sais pas si tu connais le Condor Pass, c'est la musique la plus populaire péruvienne, connue dans le monde entier. Ils ont la flûte de pan, ils ont différentes flûtes de voix, ils ont de la guitare, culture de la danse. Je suis allée sur le lac Titicaca et on a vu une danse d'un petit village, quoi. Et c'était différent encore, mais ils dansent dans leur costume traditionnel et c'est super beau. Parce que sont des lieux touristiques waouh. Rien que pour donner l'exemple, Machu Picchu qui ne se trouve pas à Lima parce que sinon ce serait trop facile d'y aller, il y aurait toujours plein de touristes. Le Machu Picchu, c'est d'y aller tôt le matin, genre déjà parce que la montée en bus prend au moins 3 bus différents. Après, il faut que tu arrives à monter pendant l'endurance. Hein. Quand je suis arrivée au Machu Picchu, le soleil était en train de se lever sur la montagne et c'était super beau. Bah, le Machu Picchu, c'est le truc à faire. Il y a les îles Paracas, des îles naturelles et préservées où il y a des bêtes marines. Il y a Nazca à visiter. Si tu veux Nazca, tu vas passer ton baptême de l'air parce que tu vas aller dans un petit avion qui va t'emmener au-dessus des marques de Nazca. Donc pour y voir la fameuse tarentule, le singe, le colibri, tu peux aller à Arequipa. Globalement, il y a plein de sites touristiques à aller voir. Vous devriez venir au Pérou pour visiter l'Amazonie si vous aimez les insectes dangereux, genre les tarentules, si vous aimez les piranhas, si vous aimez les serpents. Ils ont des perroquets de toutes les couleurs, ils ont des oiseaux de toutes les couleurs. Mais les petits moineaux ici, ils sont super lolis, genre il y en a qui sont tout rouges, il y en a qui sont tout jaunes, il y en a qui sont marrons avec un bec orange fluo. Franchement, eux je les adore parce que c'est genre ils sont marrons, ils ont un bec orange fluo, c'est genre what the fuck. Ils ont des colibris ici, ils ont des papillons de toutes les couleurs. Bon, bien sûr, en France aussi on en a, mais eux c'est waouh. Pas que ça hein, dans la jungle là, hein. Mais bon, vous pouvez dormir dans des auberges et vous pouvez rentrer en contact avec certains amis.
te laissent passer, ils sont gentlemen, les femmes. L'artisanat ici, c'est super beau parce que c'est souvent tissé à la main, c'est souvent naturel, c'est fait avec de la laine d'alpaca ou d'autres trucs comme ça. Et c'est, déjà l'alpaca c'est super beau, genre c'est super beau. Si tu veux acheter, si tu viens en famille par exemple au Pérou et que tu as avec des petits enfants et que tu veux leur acheter un bouseau en laine d'alpaca, achète-le parce que franchement c'est super doux et ils vont adorer la peluche, tu vois. Après, ce sont des motifs très colorés, comme moi avec des bandeaux noirs, tissus qui sont tissés, il y a des foulards qui mélangent plusieurs types de couleurs et c'est super joli à voir. Il y a des bonnets phrygiens, donc si c'est des bonnets qui sont comme ça avec les franges ici. Il y a des chaussettes, il y a des gants, il y a des ponchos. Un peu les motifs. Là, j'ai pris le plus basique possible, tu vois. Mais c'est vrai que c'est joli, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup de trucs. Et c'est pas cher. Parce que tu vas découvrir des plantes médicinales que nous on connaît pas en tant que petit français ou en tant que petit européen. Mais tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir l'histoire des plantes et tu vas te rendre compte que, par exemple, quand je dis j'ai bu une infusion à la coca, d'accord, que la feuille de coca, les gens s'en servent, les méchants s'en servent pour faire de la cocaïne, mais. Tu vas dire ça à un péruvien, tu vas assimiler la coca à la cocaïne, les péruviens ils vont te regarder comme ça, ils vont dire, mais tu te prends pour qui en fait? Tu crois que nous on est fiers d'avoir de la cocaïne dans notre pays? Tu crois vraiment que c'est quelque chose dont on est fier? Non, bah non. Et ensuite ils vont te dire, écoute bien mon petit pote, la coca c'est pas de la cocaïne. Parce que si t'écoutais un peu ce qu'on te dit, la coca c'est la feuille naturelle, la feuille qui te drogue pas, tu vois, c'est la feuille qui t'aide quand t'as des maux de tête, quand t'es en altitude, quand t'as des douleurs d'estomac, cette plante t'aide à te relaxer. Comme nous, on a plein de plantes en France qui nous aident à nous relaxer sans que ce soit des drogues, tu vois. Ils ont de la monia, qui est une plante que tu mets dans les tisanes pour te relaxer aussi et qui t'aide pour digérer en soi. Ils ont de la feuille qu'ils appellent de la menthe, mais c'est pas de la menthe comme nous on a en France. Du quinoa, ils ont du chia, et oui c'est pas vraiment comme ça, on peut rien. Du chia, je sais pas comment ça se dit, qui est une graine que en général tu peux mettre dans l'eau et une fois que ça a ouvert ses petits, ça, tu peux boire ça et ça te remplit l'estomac. Et voilà, ce que je voulais te dire surtout, c'est que la cocaïne, si tu veux, c'est méchant. Prennent la feuille de la coca, qui la transforment chimiquement, qui la font brûler pour en obtenir une poudre blanche. Donc en gros, il n'y a rien de la coca dans la cocaïne, sinon juste le nom, c'est tout. Rien de plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se revoit en septembre. Voilà, bonnes vacances, ciao ciao! Et sinon, tu peux t'abonner.